Salut à tous et à toutes, soyez les bienvenus sur ma chaîne Rara 888, accompagnée de sa sœur Fafa. Alors, aujourd'hui on va vous montrer nos eaux de Cologne, enfin nos parfums et eaux de Cologne. Alors, mes eaux de Cologne et mes parfums. Ma première, c'est le Joli Bouquet. Alors, il est... En doré, il y a marqué Joli Bouquet. Les contours, c'est en doré aussi. Après, il y a marqué Eau de Cologne, en blanc, et fraîche. Après, en vert clair, il y a une fleur dessinée. Et après, sinon, le fond, c'est vert foncé. Et là, il y a une petite espèce de signature en doré. Elle est trop belle. Sinon, ici, on a la même chose. Hein. La vitre est transparente. Et le liquide est un peu jaune. Enfin, je sais pas. Sinon, le bouchon est vraiment classique, on va dire, normal. Alors, après, on a une qui n'a plus rien, mais je vous la montre quand même. Elle sentait vraiment pas du tout bon. Sens-moi ça. Voilà, vous avez la preuve que ça sent mauvais. Et c'est pas moi qui l'a fini. Je sais pas qui c'est. On a un tri. Enfin, elle est triangulaire, ce parfum. Il est triangulaire, ce parfum. Le bouchon aussi. Le parfum est rose. Le bouchon est transparent. Alors. Après, sinon, on a celui-là. Je l'adore. C'est mon eau de Cologne préférée. Même si j'en mets pas. Le Joli Bouquet aussi, c'est ma préférée. Alors celle-là, je ne l'ai pas encore utilisée, je l'ai juste senti. Ça sent merveilleusement bon. Alors, c'est la marque Gibellini. Voilà. Et Gibellini, vous pouvez voir. Alors, c'est After Shave for Men Ice. Alors, je sais. For Men, ça veut dire pour homme. Et For Woman, ça veut dire... pour femme. Mais je sais, ce truc c'est pour homme. Mais quel est l'intérêt de faire des parfums pour homme et pour femme? C'est le même parfum. Par exemple, sur un shampoing de femme et d'homme, ben, c'est la même chose. Ils ont juste les mêmes trucs. Hein. Ils ne vont pas mettre un truc spécial pour femme et un autre spécial pour homme. Surtout que ça, c'est une autre Cologne. Du coup, tout le monde l'utilise. Bon, du coup, je vois pas l'intérêt de mettre pour hommes ou pour femmes. Surtout que ceux des hommes sentent beaucoup mieux que ceux des femmes. Parfois. Parfois, ça, c'est une odeur horrible qu'à chaque fois qu'on la sent, on peut pas s'éviter de vomir. Mais quelle est cette idée d'inventer des parfums avec des odeurs aussi horribles? Bon. Par contre, celui-là, il est très bien. Alors, on a l'impression que le liquide est bleu, mais en fait non, c'est le truc qui est bleu, là. Le liquide est normal, je crois. Ouais, le liquide est normal. Et la preuve qu'il sent très bon, je vais demander à ma sœur Fafa de nous prouver s'il sent bon. Alors moi je le sens, ça sent trop bon. Et on va voir Fafa ce qu'elle dit. Trop bon. Voilà, Fafa a approuvé, ça sent trop bon. Le bouchon, c'est un bouchon classique, mais là il est à peu près gris et là il est noir. Après, les parfums. Alors, le parfum que j'utilise pour le moment, c'est le Kalima. C'est un parfum comme ça. Comme ça. Et il est tout violet, ma couleur préférée. Kalima Wine Collection for Women. Celui-là, oui, c'est pour femmes. Il n'a pas de bouchon. Son truc est argenté. Et sinon après il est tout simple et je l'utilise plein de fois pour le Cologne. Après, sinon j'ai celui-là,
qui est presque fini, il y a juste une goutte. Alors c'est Aroma de Yodema. Aroma de Yodema. C'est tout simple, c'est rond. Le truc ici c'est argenté. Non, c'est pas lui après. Le truc ici c'est argenté. Il y a un Y dessus. Voilà. Après, on a celui-là. Unique for men. Oui, c'est pour garçon. C'est de Paris Hélice. Celui-là, je l'ai déjà montré. Ah, j'ai oublié de vous... Ah oui, ça, c'est pas un parfum. Enfin, ouais. Non, c'était rien. J'ai cru que j'avais oublié tout. Alors, c'est normal qu'il n'a pas de bouchon. En fait, on a trouvé ça à Bordeaux. Mais on n'habite pas à Bordeaux. On est allé passer nos vacances à Bordeaux. On a trouvé ça. Mais il n'y avait plus de... De parfum comme ça. Et nous, on en voulait à tout prix un parce que ça sentait trop bon. Et la dame nous a dit, comme il n'y avait que celui d'essayage, il était rempli à là. Comme il y avait, oui, rempli à unique là. Comme il n'y avait plus que celui de l'essayage, elle nous a dit, si vous voulez, prenez-le, je vous fais une remise. Du coup, on a tout de suite dit oui. Et voilà, du coup, on l'a pris. Il est tout simple, tout noir, et voilà. Et ça sent trop bon. Enfin, va vous le dire. Un peu. Son avis, c'est un peu. Il sent un peu bon. Moi, je l'adore. Après, on en a un autre vernis. Non, mais n'importe quoi. Un autre parfum. Alors, celui-là est tout droit. Enfin, non, il n'est pas tout droit. Comme si vous pouvez le voir là. Mes mains vont commencer en à fait, s'écarter. C'est une fleur. Mais nous, c'est pas une fleur, ça. Si, c'est une fleur. Alors, ça va faire comme ça. Vous voyez, mes doigts se sont écartés. Alors, du coup, il fait comme son bouchon. Il est pas droit. Alors, attendez. Son bouchon. Allez. Mais le bouchon ne marche plus. Voilà. Ça fait pas droit. Ici, il a une longue ligne verte. Puis, je sais que ça... Non, il est de la marque Codibel. Que vous voyez pas très bien. Sinon, c'est tout simple. Et on n'a pas senti. Et on a un bouchon. Et ça sent... Pas très bon. Un peu. Ouais, moyen, on va dire. Après, non. Oui. Après, on en a un que je viens juste d'avoir hier. C'est... Alors. Je sais. Vous allez me dire... Elle prend que des parfums d'hommes. C'est pas de ma faute. Je sais. Ceci est une marque vraiment pour hommes. Vraiment, vraiment. Vraiment. Si je vous le montre comme ça, vous allez me dire... Pour ceux qui ont choisi Scorpion, et ouais, c'est la marque Scorpion. Voilà. Leur Scorpion noir absolu, déodorant parfumé, efficacité 24 heures. Ils sont trop bons. On dirait le bouchon, on dirait les trucs là de couleur pour colorier quoi. Un truc comme ça. On va voir. Colorie la caméra. Ok, je vais vraiment tout colorier là. Ok, il me faut un mouchoir. Voilà. Voilà, voilà. Alors, sinon après, le dernier, il est vraiment ridicule, je sais. Ceci. Alors. Avant que vous dites ok, c'est un parfum de bébé, mais vous n'avez pas encore vu l'image. C'est un parfum de bébé, ok, enfin des parfums de bébé, c'est là. Non, il y en avait deux dans la caisse. Mon père m'a dit vas-y, essaye, il doit sentir bon. Moi j'ai dit ok, je vais l'essayer. Du coup, ben, j'ai vu si c'était bien. Il sent horriblement. Comment dire ça? Moche.
Non, il est pas du tout bon. Enfin, ça sent pas du tout bon. Et c'est la marque Rapunzel. Ouais. Voilà, après ici on a des enfants, le parfum est rose. Et ça c'est argenté. Mais vous n'avez pas vu le bouchon. Alors, mon Furby va vous le dire. Alors, ceci n'est pas un vrai Furby, j'en aurai un à Noël. Et je vous ferai montrer mes cadeaux. Mais tout méchant commentaire sera effacé. Puis, sur toutes mes vidéos, tous mes champs commentaires et tout sera effacé. Alors, Furby va tester le bouchon. Que ce bouchon, on dirait un chapeau. Du coup, il va le tester. Ok, je vais le tester. Alors, je reviens. Hop là. Alors, attendez. Je suis la reine. Je suis la reine Furby. La la la. Attends, le parfum, je vais sentir. Attends. Alors, le parfum ne sent pas du tout bon. Attends. Horrible. Alors, je continue. Aïe, ma couronne. Oh là là. Ah, je suis la reine d'Angleterre. Je suis Elisabeth. Du coup, en effet, la mousse tais-toi. Mais c'est pas Elisabeth. La reine Elisabeth, c'est pas Elisabeth de Monster High. C'est la reine Elisabeth, c'est une reine d'Angleterre. C'est une reine anglaise. Alors, voici ma couronne. Ok, c'est nul. Du coup, voici le bouchon, c'est une couronne. Voilà. Vraiment horrible. Sauf que la couleur est très belle. Pour elle. Bon, c'est fini pour maintenant et pour aujourd'hui, si vous ne regardez plus. Après, je vais faire une vidéo sur les dessins que j'ai fait, les dessins que j'adore. Et aussi une autre vidéo sur mes affaires de salle de bain et tout ce qui va avec. Donc, ben voilà, ma soeur Fafa vous dit au revoir. Au revoir. Moi, je vous dis au revoir. Et Furby vous dit au revoir. Ciao, ciao à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo.